En manchette aujourd'hui, on a volé la statue de Gilles Villeneuve. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellimard, au pépitre. Eh bien, hier, c'était le banquet annuel du musée Gilles Villeneuve, un organisme à but non lucratif. Ça s'est déroulé dans un hôtel de la métropole, donc à Montréal. Mais semble-t-il que c'est arrivé pendant la nuit. Des voleurs, ont pris la statue de bronze de Gilles Villeneuve qui se retrouve normalement sur le podium entre l'avenue Gilles Villeneuve et le musée. Un endroit qui existe depuis nombre d'années et un endroit où les gens grimpent à côté de Gilles Villeneuve pour se faire prendre en photo avec le champion de Berthierville. Donc, Gilles Villeneuve, la statue de bronze, grandeur nature, est disparue depuis quelques heures, probablement durant la nuit. On invite les gens qui auraient vu ou auraient vu quelque chose ou entendu parler de quelque chose à communiquer avec le musée Gilles Villeneuve au 450-836-2714, 450-836-2714, ou par courriel info@museegillesvilleneuve.com. On espère que le bouche-à-oreille fera faire que quelqu'un aura des regrets. Et avant de faire fondre Gilles Villeneuve pour revendre le bronze, fera signe aux gens du musée et on pourra récupérer Gilles Villeneuve. On rappelle que cette statue historique, donc qui date du milieu des années 80, donc quelques années, a été créée quelques années après le décès de Gilles Villeneuve et c'était réalisé par le réputé sculpteur Jules Lassalle, ce même sculpteur qui a aussi créé Maurice Richard, entre autres Jean Béliveau et plusieurs autres personnages historiques du Québec. Donc, une lourde perte pour le musée Gilles Villeneuve. On reparlera tantôt de la soirée bénéfice, donc le chaud et le froid pour le musée Gilles Villeneuve dans quelques heures. Un succès de son souper qui se veut une levée de fonds annuelle. Et au retour, on remarque le Gilles Villeneuve, la statue de bronze, a été volée. Poursuivons maintenant le bulletin d'information. On retourne à nos informations régulières. Ce matin, la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier a inauguré une zone de rencontre neutre située dans le stationnement de la mairie. La zone de rencontre est située dans un endroit public prédéterminé qui est sous enregistrement vidéo en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le vendeur et un acheteur ayant conclu une transaction sur un site de vente en ligne peuvent se donner rendez-vous pour réaliser un échange à cet endroit. On regarde une vidéo de la Sûreté du Québec qui présente ce qu'est une zone neutre. Écoutons maintenant le maire de Sainte-Geneviève-de-Berthier, Robert Pufal, nous parler de ce projet. Bienvenue à tous pour l'inauguration de la zone neutre à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Je tiens à souligner la présence de notre parrain à la Sûreté du Québec, M. Alexandre Mécaille, aussi la sergente Josiane Viard, qui agit comme coordonnatrice locale en police communautaire pour la MRC de Beaupré.
bien ça. Merci à vous. Ici, notre DG, directrice générale à Sainte-Geneviève, Mme Hélène Tour, M. Soulière, M. Darvaux, conseiller municipal. On procède aujourd'hui à l'inauguration de la zone neutre à Sainte-Geneviève. On est à la mairie de Sainte-Geneviève, au 400 Bayonne-Sud. Qu'est-ce qu'une zone neutre? Il s'agit d'une zone prédéterminée dans un endroit public et sous enregistrement vidéo en continu, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Un vendeur et un acheteur ayant conclu une transaction ou des parents séparés peuvent s'échanger la garde des enfants. Bien que l'endroit ne soit pas sous surveillance policière en tout temps, la présence de caméras, comme je disais, 24/7, permet de revenir sur les événements survenus dans les jours suivant un événement au besoin. Pourquoi une zone neutre? C'est dans un contexte où la sécurité de nos citoyens est primordiale. Cette initiative va répondre à plusieurs besoins. Un environnement sécurisé pour toutes les transactions, une confiance renforcée pour les utilisateurs qui pourront se sentir rassurés en sachant que des mesures sont mises en place pour protéger toutes les parties impliquées et surtout une réduction de stress, éviter les malentendus pour les parents. On l'inaugure aujourd'hui, mais on sait déjà que c'est déjà utilisé pas mal. C'est surprenant comment c'est bien utilisé. Et je tiens à revenir sur le fait que ça fait à peu près 2 ans qu'on a inauguré, qu'on a commencé le projet suite à une réunion qu'il y avait eu à la MRC où je pense qu'on avait inauguré dans la semaine avant une zone neutre semblable à Saint-Gabriel-de-Brandon. Puis là, l'idée m'est venue de ça en prenait une dans le pôle Berthier. Puis à l'époque, je me souviens, Dominique Perrault était maire à Berthier. Puis on avait convenu que nous autres, les caméras sont déjà là, c'est déjà enregistré. Il s'agissait de refaire ça et d'installer des caméras supplémentaires, c'est ce qu'on fait. Ça fait qu'aujourd'hui, on en vient là. Puis je tiens à inviter aussi, non seulement Sainte-Geneviève, là, mais n'importe qui, là, c'est ouvert à tous. Comme me faisait remarquer le sergent Mécaille, on est près de l'autoroute. Ça peut être du monde de Lavalterie qui vient ici, ça peut être du monde de Saint-Ignace, l'Île-du-Bas, Berthierville. Évidemment, c'est ouvert à tous. Merci beaucoup aux employés qui ont contribué à faire de cette journée l'inauguration principale. Merci à vous. Pas exactement, mais vous voyez la pancarte, il y a les informations, puis comme vous dites, madame, l'étoile 414, c'est comme le 911 pour la Sûreté du Québec. Okay. C'est encore plus rapide pour tout le monde, là. C'est un numéro de téléphone, c'est pas juste pour ici. Là. C'est, si vous avez un problème sur un territoire de la Sûreté du Québec, sur une autoroute ou ici dans la MRC, c'est plus facile de faire étoile 414 que 911. Okay. En faisant 911, c'est une étape de plus. Vous parlez à une autre personne de plus qui va vous transférer au 414. Si vous avez le réflexe de faire étoile 414, vous parlez directement avec les gens qui parlent avec les policiers dans l'autopatrouille. Est-ce que vous pensez que ça va baisser le nombre de fraudes? Parce que je sais que vous êtes dans une grosse campagne, parce qu'il y a beaucoup de fraudes au niveau... argent, les gens, les marketplaces de ce monde, on donne l'argent, puis on n'a pas l'attente, on se présente ici, on pense avoir l'achat, puis l'achat n'est pas là, ça revient. Si est-ce que c'est vraiment, si tu prouves que ça peut aider? Certainement. Bon, certainement, c'est que si on a un fraudeur sur Internet qui communique par marketplace, comme vous dites, par les plateformes d'échange de vente, de troc, des choses comme ça, puis le vendeur dit, viens me rejoindre à la zone neutre à Sainte-Geneviève-de-Berthier, ou la zone neutre de Saint-Gabriel ou la Lavalterie, les fraudeurs ne se présenteront pas ici parce qu'ils savent que ces endroits-là sont filmés, sous surveillance. Ils vont essayer d'amener les gens vers l'extérieur. Mais si le vendeur lui dit non, moi, c'est la zone neutre ou rien, ça va permettre peut-être de diminuer le nombre de fraudes, évidemment. Donc, on rappelle aussi de ne pas payer d'avance. Exactement. Donc, on a des virements Interact, des payés pour obtenir de l'argent par la suite. Ça, c'est dans le grand contexte de fraude. On ne fait pas ça. On ne paye pas à l'avance. On s'assure que la personne, c'est un vendeur qui a un historique sur un marketplace, que c'est pas un profil qui vient d'être créé ou des choses comme ça. On essaie d'être prudent. On connaît pas les gens. Faut pas faire confiance trop rapidement. Puis les choses coûtent cher aujourd'hui. Là, on essaie de garder nos biens puis pas se faire avoir. Puis, dernier point, ben là, vous dites qu'il y avait la captation 24 heures sur 24. Oui, la captation, c'est la municipalité qui s'occupe de ça. C'est ça que je veux savoir. J'en viens à cette étape-là. Il est passé un événement. On veut revoir.
Tu sais, tu me parles d'échanges d'enfants, il y a peut-être eu des événements lors de cette chose-là, parce qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie quand ça arrive. C'était la municipalité ou c'était vous qu'on communique si on va avoir accès à ces vidéos-là? Comment ça fonctionne? Au niveau de... Je parle pas pour la municipalité, mais s'il y a un événement qui se produit, que les policiers viennent, qu'il y a un dossier opérationnel qui est ouvert parce que, par exemple, il y a eu la fraude ou il y a un échange d'enfants qui a été litigieux ou quoi que ce soit, puis il y a des parents qui portent plainte au niveau de la police, on donnera pas les enregistrements à la personne, aux parents. Ce qui va arriver, c'est qu'on va donner le numéro de dossier aux parents, puis après ça, si vraiment ils veulent voir les enregistrements, ils vont avoir une demande d'accès à l'information qui doit être faite. C'est gardé pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, on va dire ça comme ça, puis si jamais il y a un problème, les enregistrements, c'est nous qui vont les recevoir. OK, donc idéalement, c'est allé à la sûreté. Exactement. Porter plainte ou va demander des informations, puis vous allez en entrer en contact. Exactement, comme c'est inscrit sur le panneau. Puis vous voyez sur le panneau, c'est pas écrit le numéro de téléphone de la municipalité, c'est le numéro à nous. Fait que nous, on va s'occuper du dossier du côté opérationnel. D'accord, la procédure. OK. Oui. On poursuit avec Sainte-Geneviève-de-Berthier. La municipalité a profité du beau temps pour inaugurer aussi ce matin le Pump Track, conçu pour les cyclistes, les skaters et les utilisateurs de trottinettes. Le circuit permet de pratiquer diverses figures. Il sera accessible en tout temps à compter du printemps. Donc, on écoute le maire de Sainte-Geneviève-de-Berthier, Robert Puffal, nous en parler. Bonjour à tous. Bienvenue à l'ouverture officielle de notre pump track à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Je voudrais souligner la présence de petit dénommé. Madame Dénommée, directrice au développement économique, bien sûr, à la MRC de Dautré. Madame Club, Hélène Club, DG de la municipalité de Sainte-Geneviève. Monsieur Darvaux, René Darvaux, conseiller municipal. Monsieur Soulière, conseiller municipal. Et Monsieur Carl Barry, qui a procédé à l'élaboration du pump track. On est bien ravis d'annoncer l'ouverture officielle de notre nouveau pump track. Un espace de loisirs innovant et dynamique qui promet de ravir nos jeunes amateurs de sport. Le pump track est conçu pour les cyclistes, les skaters, les utilisateurs de trottinettes. C'est un circuit en boucle composé de bosses et de virages qui permet de pratiquer des figures tout en développant les compétences. Accessible à chacun, quel que soit son âge, son expérience ou son niveau. On est bien heureux de pouvoir offrir à notre communauté un lieu où chacun peut s'amuser, s'activer et se rassembler autour d'une mission commune, d'une passion commune. C'est un bel ajout au parc Jean-Louis Poulette qui relie les activités pour nous maintenir en santé et pour adopter de saines habitudes de vie. Le projet a été rendu possible grâce à une subvention d'environ 45 000 provenant du parc rural de la MRC de Dautré et la participation financière de la municipalité de Sainte-Geneviève à hauteur de 30 000 $. Le projet total est évalué à 75 000 $. On tient aussi à exprimer notre gratitude à Atlas Pro Shop pour des généreux dons. Grâce à leur soutien, 5 jeunes de notre municipalité auront la chance de remporter un des 5 prix à l'issue du concours que nous avons diffusé sur notre page Facebook. Un grand merci à Atlas Pro Shop pour leur contribution. Je tiens aussi à souligner les employés de Sainte-Geneviève qui nous ont préparé à cette conférence de presse. Marilène Fortin nous fait toujours des bons communiqués. Son côté relations publiques était très apprécié. Merci à Marilène. Merci à Caroline Benjamin ici, notre DG à Pointe, et Michel Baudouin qui est ici après-midi. Merci à tous. Monsieur Soulière, c'est le skatepark qui est à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Ben, toutes les municipalités aux alentours sont bienvenues. Il y a d'autres municipalités, la ville, toutes les municipalités, ça fait des activités pour les enfants. Il n'y a aucun problème. C'est pas ouvert juste à les jeunes de Sainte-Geneviève, c'est ouvert aux alentours aussi. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous.
Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 31 octobre, jour de l'Halloween, on désire souhaiter bonne fête à Agathe Gertin, c'est les filles d'Isabelle, et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Claudette Thibault et à Serge Daisy. C'est votre fête aujourd'hui, en ce jour d'Halloween. Eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite un heureux anniversaire. On a parlé en début de bulletin du musée Gilles Villeneuve qui s'est fait voler le bronze de Gilles Villeneuve qui était installé depuis nombre d'années sur la plus haute marche d'un podium où les gens pouvaient se faire photographier là, entre le musée et l'avenue Gilles Villeneuve. Bien, le musée Gilles Villeneuve. Donc, on a parlé du bon, du mauvais, etc. On passe d'un à l'autre en quelques heures. Le musée tenait hier soir son banquet bénéfice annuel, une importante levée de fonds. Des invités étaient présents. Ça s'est déroulé dans un grand hôtel à Montréal. Parmi les invités, évidemment, on avait une belle brochette. Marc-Antoine Camiran, le pilote de l'équipe GM Payet. Payet Course Racing, Marc-Antoine Camiran, le champion NASCAR Canada 2024. Donc, cette année, était présent, ainsi que Claude Leclerc, quelqu'un qui était attaché à la région de Lanaudière, qui vit dans la région de Lanaudière et qui pilote toujours en série ACT, une série quand même relevée en style NASCAR. Et M. Leclerc a aujourd'hui 83 ans. Donc, le musée Gilles Villeneuve a fait de Marc-Antoine Camiran et de Claude Leclerc des nouveaux membres de son club MGV, donc qui rappelle les membres de ce club. On rappelle par leur talent évidemment Gilles Villeneuve, par sa détermination, son audace, etc. Donc, on avait ces invités-là. Également, Élise Racette, qui est présidente d'une commission de la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, et Marie-Soleil Labelle, qui pilote pour l'équipe Musée Gilles Villeneuve. Un autre invité, c'est Alain Labrosse, qui est le directeur général de la série NASCAR Canada. Il a parlé lors de son intervention de son parcours et aussi de sa relation avec Gilles Villeneuve. C'était très touchant. On va commencer avec M. Labrosse, ancien pilote de moto, de monoplace dans les années 80, gérant de pilote, propriétaire de piste, promoteur d'événements et maintenant la direction générale de NASCAR au Canada. Bref, en matière de sport motorisé, Alain Labrosse est un touche-à-tout, surtout, je pense, un gars d'expérience. Donc, on l'invite, s'il veut bien me rejoindre, Monsieur Labrosse. Ça fait plaisir quand Alain m'a dit oui, je peux être au banquet. Évidemment, un horaire assez chargé. On est très heureux. On va faire un petit tour d'horizon un petit peu de cette carrière assez. Quand je dis que c'est un touche-à-tout au niveau du sport motorisé, ça débute comment quand tu es plus jeune? C'est quoi le début de ça? Qu'est-ce qui t'attire?
Écoute, ça fait longtemps. Okay, j'ai commencé à courser à 17 ans, j'en ai 63. J'ai commencé à cachette. Par un salapo. Un, j'avais pas le droit d'avoir une moto. Encore bien moins de courser de moto. Fait que je faisais semblant que je partais au camping. Ça a commencé comme ça. Donc, j'ai commencé à courser des motos à cachette, puis j'ai commencé à gagner des courses. Puis, à un moment donné, je me suis dit, quand j'arrivais les courses, ben, je mettais le trophée sur la table de cuisine. Fait que là, il n'y avait pas le choix. Hein? Fait que, tu sais, parce que mon père m'avait dit, si t'achètes une moto, tu te trouves un logement. Fait que j'ai acheté une moto, j'ai commencé à courser. Puis le logement, j'ai jamais eu besoin d'être. Fait que, anyway, ça c'est 17 ans. Ça a commencé comme ça, puis j'ai fait des courses de moto pendant 6 ans, niveau, tu sais, j'étais une dizaine de fois champion national, puis après ça, j'étais classé 3e aux États-Unis. Et puis après ça, j'ai fait des courses au Grand Prix, en championnat mondial, en Europe. Tu sais, on parle de Gilles-Villeneuve. Mon dernier souvenir de Gilles-Villeneuve, en 1982, Long Beach, Canada. Moi, je venais de signer un contrat avec Gaston Parent. Puis c'est Gilles-Villeneuve qui me l'a présenté. J'ai signé un contrat en février 1982 avec Gaston Parent, qui devait devenir mon gérant. Pour que je course en MotoGP en Europe, grâce à des contacts et des commentaires de Gilles. Pas grand monde le sait, ça. Mon dernier souvenir de Gilles, c'est en 1982, Grand Prix Long Beach, il course en Ferrari. Et moi, je coursais en moto, parce qu'il y avait une course d'invitation moto. J'étais un pauvre, ok? Je mangeais du crack dinner, puis je... Ça mange pas encore! Oui, ouais, c'est encore très bon. Les enfants, ça. Ouais. Les petits-enfants. Puis c'est tout ce que je sais faire. Anyway. C'est 82, c'est Long Beach, c'est Grand Prix, je fais des pratiques, puis... Je suis arrivé là, puis j'ai pas d'argent, OK? Donc, Gilles vient me voir, il dit comment ça va, ça va bien, je suis capable d'aller mieux que ça, mais j'ai pas de pneus, tu sais, j'ai pas d'argent. Gilles, il est venu avec moi, à Dunlop. Tout le monde connaissait Gilles, hein? Tu sais, il pouvait presque pas se promener sans qu'il monte. C'était une vedette mondiale. Fait qu'il est venu avec moi au camion Dunlop. Il a dit au gars Dunlop, il a dit, lui, toutes les pneus qu'il a placés, mais ça, c'est mon corps. Fait que j'ai fini 3e au Long Beach en moto. J'ai fini sur le podium, moi j'ai fini sur le podium, et c'est mon dernier sommet. Wow! À l'hôpital de Lanaudière, le 16 octobre, est décédé à 88 ans M. Rénal de Bacon, demeurant à Berthierville. Il était le conjoint de Mme Fleurette Courcel. La crémation a eu lieu au crématorium Yves Hull. La famille accueillera parents et amis au centre funéraire Yves Hull, rue Frontenac à Berthierville, samedi 2 novembre à compter de 13 h. L'inhumation aura lieu au cimetière de Berthierville à 14 h30. M. Bacon laisse dans le deuil ses frères et sœurs Madeleine, Nicole, François, Marguerite, Feu, Jocelyn, Diane,
Maurice et sa conjointe Manon Desrosiers, Jeanne d'Arc et son conjoint Claude Moreau, ainsi que Monique. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier chaleureusement le personnel de l'hôpital de Joliette pour tous les bons soins prodigués. Au centre d'hébergement Saint-Eusèbe, le 22 octobre, à 92 ans, est décédée Mme Laurette de Grandpré, épouse de feu Bruno Beauregard, demeurant à la Visitation de l'Île-du-Pas. Elle laisse dans le deuil ses fils Sylvain Beauregard, Cathy Champagne, François Beauregard, Nathalie Saint-Amour, ses petits-enfants Isabelle Beauregard, Francis Lécuyer, Kim Beauregard-Champagne, Olivier Beauregard, Marie-Mé Côté, Catherine Beauregard, Anthony Morin, sa sœur et son beau-frère, Hélène de Grandpré, feu Alexandre Denis, Roger Beauregard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 1er novembre de 19 à 22 h et samedi 2 novembre dès 11 h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de l'Île-du-Pas à 14h30. Madame Laurette de Grandpré sera inhumée au cimetière de l'Île-du-Pas le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 23 octobre, à 59 ans, est décédé M. Yves Mas, époux de France de Bellefeuille, demeurant Sainte-Geneviève-de-Berthier, natif de Saint-Thomas. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Gabrielle Mas, Alexandre Bilodeau, Julie Mas, William Beauchamp, ses petits-fils Édouard et Mylène Bilodeau, sa mère, Mme Alice Fafard, épouse de feu Gaétan Mas, ses frères et ses belles-sœurs, Mario Mas, Cécile Garneau, Normand Mas, Muriel Delangis, ses neveux et sa nièce, Maxime et Mie Mas, son filleul Vincent, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 2 novembre, dès 13h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville, suivra un hommage au salon à 15h. M. Yves Mas serait inhumé au cimetière de Saint-Thomas le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera des risques d'averses. Une température de 19, un temps ressenti de 19, moins de 1 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera de la faible pluie. Une température de 17, un temps ressenti de 16, environ 1 mm de pluie. Vendredi matin, ce sera quelques averses. Une température de 16, un temps ressenti de 14, environ 1 à 3 mm de pluie. Vendredi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 14, un temps ressenti de 12. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 6, un temps ressenti de 2. Vendredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 1 et un temps ressenti de moins 2. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.